Le meilleur sketch! Je vous kiffe! Mais. Ouais, mais moi c'est plus facile d'ici parce que je vois pas ta sale gueule là, tu vois. Mais je te kiffe quand même, hein! Et souvent dans les spectacles, c'est les plus moches, je te kiffe! Je te. Les belles, elles ferment leur gueule, tais-toi! D'accord? Mais. Alors. Je suis super content d'être là, mais j'ai un gros problème. Non, non, j'aurais voulu être fils unique, eh bien non, j'ai une sœur, voilà. Et ma petite sœur est fan de Colonel Rayel. Alors, je n'ai absolument rien contre Colonel Rayel, hein, qu'on se le dise, moi, rien à foutre, tu vois. Mais j'ai juste une question, Colonel Rayel, pourquoi? Pourquoi Aurélie? Je vous rappelle les paroles pour ceux qui, hein. Aurélie n'a que 16 ans, elle attend un enfant. Ses amis et ses parents lui ont fait l'avortement. Elle n'est pas d'accord. Elle voit les choses autrement. Elle dit qu'elle se sent prête pour qu'on l'appelle maman. Or déjà, Colonel Rayel, baf dans ta gueule. Hein ? Tout de suite, hop, emballé, c'est pesé, tu dégages. Non, non, ma petite sœur, moi, est fan de Colonel Rayel. Alors elle est gentiment venue devant mon père. Papa, je suis enceinte. Si tu n'es pas d'accord, je t'emmerde. Colonel Rayel a dit que j'avais le droit. Alors mon père, tranquillement, hein, sans s'énerver, ça donnait à peu près ça. Ami! 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 Alors, non, non. Alors qu'on se mette d'accord tout de suite, les cris que vous entendez sur ma gauche, c'est pas un chien, c'est mon père. Mais ce qu'il faut savoir avec mon père, c'est que quand il est très énervé contre quelqu'un, il contracte tous les prénoms. Ma petite sœur qui s'appelle Aminata, ça donne donc Ami. Alors, toi, comment tu t'appelles par exemple? Margot. Alors mon père, si mon père était énervé contre toi, Margot, ça donnerait Ngo. 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 Tu vois? Donc je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur... voilà, mon papa. Alors... Ami! Ami! Ami 17! Ami 17! Ami 17! Alors, on voulait mettre des sous-titres, mais bon, ça coûtait un petit peu cher. Déjà, le logo du Samba Show, ça coûtait un petit peu cher, donc je vais vous faire la traduction. Dans le langage énervé de mon papa, Ami 17, ça veut dire « Ami, es-tu réellement enceinte ?» Alors, autant vous dire que moi-même, là, je n'ai pas compris. Et alors, c'est le jour de l'enterrement de ma petite sœur. Putain, je savais pas qu'un enterrement, ça pouvait créer des... C'est le jour donc de l'enterrement de ma petite sœur qu'on a décidé de lui rendre hommage avec cette chanson qu'elle aimait tant. Ça donnait à peu près ça. Aminata n'avait que 8 ans, elle attendait un enfant. Ses grands frères et ses parents lui ont fait l'avortement. Ça n'a pas marché, elle est morte en même temps. Maintenant au cimetière, elle dort tranquillement. Voilà, c'est ce petit refrain qu'on a souhaité lui faire. Mais ce soir, messieurs, dames, je ne suis pas là pour vous parler de ma famille, même si je sais que mon père est un petit peu faux-follet. Mais voilà, ça y est, ça fait plus de 100 jours. Plus de 100 jours qu'on respire. Eh oui, le changement, c'est maintenant. On est passé de l'hyperactivité présidentielle
à l'inactivité la plus totale. Le mec, c'est Bob l'éponge, tu sais. Je crois que c'est ton père, d'ailleurs, mais enfin bon. Bon, Hollande, France. Hollande, France. Oui, je prends le temps parce que, voilà, je veux que tu comprennes un petit peu. Hollande, France. Ça, il n'y a que dans un pays démocratique comme la France que ça peut passer nickel. Allez en Afrique, par exemple. Mais oubliez le Sénégal, les cocotiers, on se bronze le cul au soleil, etc. Non, 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 allez dans l'Afrique énervée. Dans l'Afrique, dans la banlieue de l'Afrique. Dans le Barbès de l'Afrique. En Algérie, voilà, c'est ça. Allez en Afrique. On est d'accord. Alors, attendez, excusez-moi, hein. Est-ce qu'il y a des Algériens ce soir dans la salle? Oh oui? On est d'accord, votre pays fait flipper, madame. Non, oui ou non? Enfin, non, il fait pas flipper. Alors, vous allez nous expliquer ce soir devant 1500 supporters pourquoi on n'a jamais vu, dans le juste prix de la gaffe, un voyage à gagner à Alger. On est d'accord, hein, sauf... enlève-moi le doute. Enlève-moi le doute, si jamais. Imaginez deux secondes la situation. Bien, Rachid, on se concentre ce soir à gagner dans la vitrine un écran 3D de 107 cm, une voiture d'une valeur de 9 990 € et The Cadeau, The Big Cadeau, un voyage pour deux personnes. Mais on peut aller jusqu'à 12. Pour 12 personnes à Alger. Alger. Alger en Algérie. Le vrai, le Barbès de l'Afrique. Écoutez, monsieur juste prêt. C'est déjà très difficile d'arriver jusqu'en France. C'est pas pour retourner dans la case départ. Hein. Et en plus... Et en plus, gratuitement. Alors, je vais partir tranquillement avec ma machine à café de 34,90 €. Merci. Assalamu alaikum. Merci, c'est tout pour mon stamina.